Bien-aimés dans le Seigneur, membres de la grande famille du ministère de délivrance, bonjour, bonsoir. Si nous avons appris, ce n'est pas faute, parce que, bon Dieu, c'est lui-même qui permet ça. Il permet que le cœur soit content. Moi, salut, nous avons bon Dieu. Et je dis à tous les amis qui t'ont soupiré pour que tu aies une image, pour que tu aies une photo, pour que tu aies une parole avec toi directement, c'est pas un voile. Eh bien, mais moi, comment nous y est? Nous sentons nous contents pour nous rejoindre avec vous, pour nous connaître au bras, ouais, nous le visage. Donc, nous sommes vraiment occupés, si ça fait nous pas capables de faire des vidéos pour nous, ouais, non. Donc, nous sommes certains que nous allons continuer dans la même lancée. Et deuxièmement, nous avons averti que très bientôt, nous allons avoir l'autre tête sous Chanel là qui va venir avec l'autre programme. Nous sommes certains que ça va déranger parce que notre travail pour nous capables d'éduquer davantage. Parce que nous souhaitons enrichir l'éducation théologique ou qui a un aspect psychologique, qui a un aspect sociologique, qui a un aspect du point de vue santé ou sanitaire là-dedans, et qui nous connaît, qui remplit avec la spiritualité. Donc, mes frères et sœurs, bonjour, bonsoir, bonne participation. Pour nous capables de rentrer pour dans la leçon pour matin, ça, lundi matin, n'a fait mes genoux pour la prière. Dieu Tout-Puissant, Papa, nous qui dans le ciel, là, nous exaltons. Merci parce que vous aimez, nous prenons soin de nous. Merci Seigneur parce que vous toujours voulez accorder nous des privilèges inattendus. Merci pour tout cela. Faites du bien à notre âme, pardonnez les péchés, nous. Bénis visiteurs, nous, bénis toutes les amies, nous, qui connectent avec nous dans le moment, ça qui va faire le son. Père, sanctifiez-vous davantage, nous prions. Ça, dans le nom de Jésus qui vit, qui est nos siècles et siècles. Amen. Mes amis, nous avons étudié ensemble leçon 14, soit la dernière leçon pour cette année. Toute chose nouvelle, verset à mémoriser. Et celui qui est assis sur le trône dit, voici, je fais toute chose nouvelle. Et il dit, écrit, ces paroles sont certaines et véritables. Apocalypse 21, le verset 5. Jeudi, c'est exactement jour mardi en présence de Dieu. Donc, selon la belle perception de la théologie de Timothée, dans le langage pâle, bien Jean-Paul va adresser lui avec Timothée, il va dire, mon ami, tenez bien, bon Dieu, eh bien, il habite dans une lumière qui est inaccessible, une lumière que personne n'est pas capable de joindre de par propre gré, une lumière que le monde n'est pas capable de joindre de par lui-même personnellement, une lumière qui pas arrivé dépendamment, qui pas facile dépendamment de moi-même. Bon Dieu seul m'a permettre que m'a capable, eh bien, atteindre lumière et lieu ça. Et Libra dit aussi dans Jean, personne n'a jamais vu Dieu. Oui, nous d'accord avec ça. Mais là, nous essayons de mettre les paroles Jean dans le contexte étroit, eh bien, nous joignons des paramètres qui t'apparaît contraire. Par exemple, le Adam avec Ève, t'es fait, t'es prend naissance, tu t'es convoi, bon Dieu. Maintenant, nous venons d'accord avec Jean, c'est dans le contexte du péché. Donc, après le péché, personne ne parle de Dieu. Mais, bon, l'autre phase christologique, là, c'est le fait que nous connaissons Dieu s'est fait homme. Maintenant, tout le monde est Dieu. Si Dieu s'est fait homme, Emmanuel, Dieu est avec nous, tout le monde est Dieu. Mais, nous admettons que Dieu s'est dépouillé. Maintenant, là, on apprend logique, là, qui dit, personne n'a jamais vu Dieu, et Dieu habite dans une lumière inaccessible, nous pourrons comprendre, eh bien, dans dimension, bon Dieu, dans sa toute puissance, par un être pécheur qui courait, là, nous d'accord avec 100%, dans la toute puissance de Dieu, dans la gloire de Dieu, côté que le pas dépouillé, par des monde qui courait. Donc, c'est dans le contexte, ça, que, eh bien, Jean parlait. Maintenant, nous capables de comprendre, eh bien, qui ça, bon Dieu lui-même, libre à le voir nous comme message. Regardez bien qui ça, Jésus dit, dans Matthieu 7, le verset 8, il dit, mes frères et sœurs, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux, monde qui a un cœur pur, eh bien, faut qu'on purifie, faut qu'on pas mélanger avec péché, ou capable, ouais, bon Dieu. Donc, c'est très important. Dans 1 Jean 3, le verset 2 à 3, 1 Jean 3, verset 2 à 3, dit, bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc, pour nous capables,
en réalité, ouais, bon Dieu, faut qu'on semble avec. Et semble avec dit que faut que nous partager aisance liée, premièrement éternel et parfait. Ah oui, nous allons partager l'éternité de Dieu avec Dieu et sa perfection, le sang capable. Dieu nous a bien niveau pour Noël parce que nous avons un corps incorruptible là et nous avons revêtu de l'immortalité. On a regardé qui ça qui dit dans Apocalypse 22, dans le dernier livre dans la Bible là et dans le dernier chapitre dans la Bible là, 3-4 midi, au milieu de la place de la ville, sur les deux bords du fleuve, Apocalypse 22, verset 3, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Là, Mandino, question ça y est, même le théologien, docteur en théologie, a pas l'explication, d'accord. Mais dans le ciel, nous pral vivre réalité, que explication yo. Donc, en tant que réalité, à mes frères et sœurs. Et alors, verset 3 dit, il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le servaient et verront sa face. Verset 4, et son nom sera sur leur front. Donc, selon analyse nous avons hier, nous avons, quel que soit Jean Saïe, dans la ville, là, qu'on a dit, il n'est pas précisé qui ville, est-ce que c'est la Nouvelle Jérusalem, il n'est pas précisé non plus, est-ce que c'est dans ce ciel-là, à bien une ville spéciale. Mais trône, bon Dieu, mais puisque nous avons tout, Jésus, l'agneau et Dieu, c'est eux-mêmes qui ont reçu l'adoration, et côté eux et trône, parce que nous avons dit ça bien. Gon différence en l'os nan mo sa l'on dit royaume yon moun trône côté que li a fait l'allié côté que le passé roi là royauté avec. Donc c'est pas chaise là qui fait roi, c'est pas en côté rite qui fait roi, mais c'est lui même qui roi donc côté rite dès que choisi fait royaume ni là. Côté rivière, dès que choisi fait capital pays là, côté rivière, dès que choisi mette position en hiérarchie là, côté li a tout royaume. Si on a décidé de sortir dans la ville ça, pour la retourner l'autre côté, côté barrière a déjà royaume. Donc là, l'important pour moi avec nous, nous pas comme si on mesure de logique qui limitée à Dieu dans ça qui vient rapport avec royaume. Encore, n'a pas les bien pour nous dire. Bon, apôtre Jean, même lui qui te déclare père, monde pas pour bon Dieu, c'est lui même qui a déclaré. Tout le monde a pour maintenant, après l'incorruptibilité, après le corps parfait et juste, après la sanctification, la purification, oui, n'a pas capable de bon Dieu. Et là, ça n'a pas capable de discuter avec lui, n'a pas capable de parler avec lui. Ce n'est pas Jésus nous parle. Nous parlons la personne qui a pris cette décision pour créer l'homme à son image, à sa ressemblance. Amen, mes frères, si on ne parle pas là. Faut ou là au nom de Jésus, pas quitter bien caille, machine, madame, petite, pas quitter relation, travail, job, faire ou pas jouir privilège ça. L'important pour moi avec nous, nous faisons tout ça dépend de nous, on a cherché, ouais, avec bon Dieu. C'est ça fait, il dit, heureux ceux qui ont, eh bien, ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc la purification de l'âme dans un mode de vie que nous avons mené là, est très important. Pour nous capables, ouais, mon Dieu. Maintenant, comment capable purifier? Nous avons été sous moi comme ça, comme si, parce que s'il veut nous purifier, eh bien, bon, nous tout mot là comme ça. Non! Purifier ou nettoyer vient du mot katarizo. Mais en réalité, dans un concept hébraïque, ou nabdoubien, quand tu es katarizo, ou es purifié, ou es nettoyé, toujours une forme de sacrifice en background. Toujours, tu es un bagage ou tu es fait. Ou tu es un bagage, soit ou tu es acheté pour pouvoir purifier, soit si nous es la loi cérémonielle, ou tu es un sacrifice, soit un jeune, ou tu es un bagage ou fait. Raison, c'est parce que purification, c'est exactement détachement avec un bagage qui n'est pas bon. Ou tu es fait par amour, ou tu es quitté. Ou tu es fait dans le sens, ou lui abandonner parce que il pas bon. Maintenant, purifier dit faut vous détacher avec les biens de ce monde, l'argent, tout ça que capable faut vous capable détacher. Donc mes frères et sœurs, il est important pour nous capable faire ça. On a regardé qui ça c'est White dit à la page 599 et 600 soit dans le livre La tragédie des siècles. Qui ça dit? Il dit, le peuple de Dieu sera admis dans la communion du Père et du Fils. Aujourd'hui, nous voyons au moyen de miroirs
d'une manière obscure, dans la nature, dans ses voies envers les hommes. Dieu nous apparaît comme dans un miroir. Alors, nous le verrons face à face, sans voile. Nous serons en sa présence et contemplerons sa gloire. Amen. N'abgué pour répondre Dieu au nom de Jésus. C'est pas machine qui va le prendre. C'est pas nos belles cailles qui va éviter mon Dieu pour le rentrer. C'est pas avion, c'est pas hélicoptère, c'est pas diète, c'est pas quel que soit salta et vous qui fait mal dans la lune. Mais c'est foi qui a mené au nom de Jésus. C'est foi qui a fait mal joindre Jésus de Nazareth. C'est foi qui va le faire mourir le Père qui m'a créé à son image, mes frères et sœurs. Donc, remarquez qu'en pile verset qui prouve nous que nous devons avoir un cœur qui est pur. Sans un cœur pur, nous ne sommes pas capables, ouais, mon Dieu. Oui, qui est capable d'entrer dans le lieu où nous habitons? Si nous n'avons pas un cœur pur, si nous n'avons pas un qui innocent. Mes frères et sœurs, purifiez-nous. Depuis dans l'esprit nous. Purifiez-nous depuis dans la relation sociale nous. Purifiez-nous, mes frères et sœurs. Depuis dans ça à manger, dans la façon à habiller. Purifiez-nous. Depuis dans ça que nous souhaitons posséder. Pour que le Saint-Esprit soit capable de une place au milieu de nous. Pour nous capable de sauver pour le temps et pour l'éternité. Mes frères et sœurs, quel que soit Jean Saillé, eh bien, verset yo, prouvez-nous que bon Dieu, eh bien, il fait travail ça nous-mêmes, nous le faire, nous le continuer faire, nous le chercher faire. Bien qu'en fin de compte, notre place au ciel fut rendue certaine par la mort de Jésus, certainement par la mort de Jésus, eh bien, processus de purification, c'est un acte de foi. L'homme dit m'a purifié, me forme raillé péché. L'homme dit m'a purifié, me forme pas aimer ça qui est mauvais. L'homme dit m'a purifié, me forme raillé le monde. L'homme dit m'a purifié, me forme pas profiter monde pendant m'a mettre tout ça mauvais du côté. Mes frères et sœurs, rien bon Dieu, c'est ça nous fait. Chercher obéir à bon Dieu, c'est ça nous fait. Chercher la purification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes contents parce que nous sommes avec vous dans un moment, vous avez prêté attention pour te suivre nous. Nous disons que bon Dieu est capable de bénir nous, pour le capable accepter nous et écrire nous dans le livre de vie pendant que nous cherchons à purifier nous. À nous prier pour nous capables de terminer avec le son pour matin. Dieu Tout-Puissant, Papa, nous qui est dans le ciel là. Petit tout, il y a besoin de la purification, il y a besoin de la sanctification parce que sans chose, il n'y a pas capable de faire. Père, n'a pas le souple capable de passer mes purifications sur vous, capable de passer mes sanctifications sur vous, séparer vous avec le monde, transformer vous en salut, délivrer vous des astuces du diable, sauver vous pour le temps et pour l'éternité, nous pouvons concerner Jésus. Amen.